La croissance de l'économie britannique s'est accélérée au deuxième trimestre grâce à la dynamique de l'ensemble des secteurs d'activité, elle-même portée par les dépenses des consommateurs, particuliers et entreprises. Selon les premières estimations de l'Office britannique des statistiques, le PIB a augmenté de 0,6% au deuxième trimestre contre plus 0,3% au premier. Les salaires réels sont toujours négatifs, donc en termes réels, les gens continuent de perdre de l'argent. Ça va handicaper la croissance de la consommation et on est inquiet du fait que ces 0,6% reflètent des dépenses provenant plus des PPI qu'autre chose. Le Royaume-Uni pourrait avoir une avance d'un an sur la zone euro. Les PPI, ce sont les Payment Protection Insurance, des sommes colossales représentant plusieurs milliards d'euros reversées en Grande-Bretagne aux particuliers auxquels les banques ont illégalement vendu des contrats d'assurance.